Hey, bande de trucs, salut! Où est ma patte? Ah oui, je tiens des trucs, c'est pour ça. Chop. Ouf. Regardez, j'ai un mode, en fait, qui permet de quand je jette des objets. Regardez, flap, ça se pète la tronche, c'est truc de physique. Donc ici, je suis en train de fignoler un peu ce que je suis en train de faire, en mettant un peu par-ci, par-là, des champignons. Voilà. Un peu de champignons par-ci par-là. Voilà. En fait, j'améliore encore ce que Bilou a fait à l'époque. Mais bon. Voilà quoi. On va en mettre un petit paquet. Voilà. On va avoir une petite zone à champignons bleus ici. Pour être sympa. Voilà. Je sais pas, ça donne un petit truc assez magique. D'en mettre un peu partout ici. C'est un peu magique. Voilà. Tu faire quoi que c'est une petite zone à champignons? Pour faire un peu féerique comme ça. Très intéressant. Ici, enfin, le truc. Voilà. Pardon. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Des conneries. Non, j'ai connu. Alors. Slash. Je vais vous montrer, hein, slash. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce nouveau monde? Non, c'est pas un nouveau monde, c'est celui de Bilou. Bon, voilà. Donc, voilà. Ça fait beaucoup de voilà. Je me suis dit voilà. Oui, j'ai dit beaucoup voilà. Je me dis c'est bien, mais ça manque de vie. Donc je me suis amusé à faire encore plus de modifs. Oui, j'ai un Woo Coquino infini qui me colle. C'est pas grave, ça nous gêne pas. Et du coup, voilà ce que ça donne. Pas ce que c'est, mais je vais dire. Ça c'est. Non, je sais pas ce que ça fout là. Non, mais je n'en ai pas besoin. Allez, pousse. Voilà. Donc voilà ce que. Bon, eux, ils sont cons, ils se tuent tout seuls. Donc voilà ce que ça donne. Donc si on marche normalement, regardez comme c'est magnifique. Avec le truc à terre, comme vous voyez, ça fait très réaliste. Hein, quand je jette des trucs, ça fait ultra beau et féerique. Bon, par contre, ici, j'avoue que c'est complètement con d'avoir fait ça. Parce que ici, je sais pas pourquoi elle a fait ça, Bilou, ici, à ce niveau-là. Parce que c'est un peu gênant, en fait. Ça coupe le truc. Donc ça, je vais corriger. J'avais oublié de le faire. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Parce que du coup, quand tu fais ça, t'as envie de passer ici, en fait. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Hop. Voilà. Allez. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous passez par là. Hop, vous arrivez. Peut-être plus tard, je ferai une autre modif. Je verrai après, mais pour le moment je mets ça comme ça parce que j'avais d'autres choses à faire. Et aussi pour voir le truc. Oh, je vais peut-être faire un petit miniature pont, on va voir après, on va faire ça après. Mais c'est après quoi. Donc on rentre dans la maison. Ah, magnifique maison de Bilou, je rappelle. Enfin, c'est pas à Bilou, c'est à Matt et Lion. Mais voilà, c'est. Je vous montre un peu les modifications. Les petites, hein, petites, hein, petites. Toutes petites modifications que j'ai faites. Bon, alors, déjà, premièrement, les modifications que j'ai pas faites. On va aller en bas. Je vais vous montrer des endroits que je n'ai pas touchés. Parce que j'en ai rien à carrer, je n'ai pas d'intérêt. C'est ici. Sauf les troncs, mais ici, j'ai rien touché du tout. C'est comme c'était avant. Oui, j'ai un Woo Coquino qui me suit. Alors, second truc, intérieurement de celui-là, voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai mis un effet d'eau comme j'avais fait dans l'autre vidéo, je l'avais déjà montré. Ça, j'avais déjà montré, mais je remontre une dernière fois parce que voilà, je refais un récapitulatif de tout ça. Ici, vous avez le petit canapé et les trucs ici qui sont un peu modifiés. J'ai fait pas mal de remplacements parce que je trouvais ça pas très bien fait. Enfin, je sais pas, je trouvais pas ça à mon goût. Et vu que c'est une map que j'ai récupérée,
Bah j'en profite de la modifier parce que OSEF, hein, pourquoi pas. Tant que je précise que c'est pas à moi d'origine, bah, il n'y a pas de problème, je présume. Je l'ai déjà dit. C'est pas à moi, c'est à Bilou. Enfin, c'est Bilou qui a fait le plus gros et Lion. Moi, je fais que peaufiner un peu des trucs parce que je trouve ça sympa de faire du peaufinage et j'adore testouiner. Ici, par contre, je suis désolé, mais on s'y perd dans ces trucs-là parce que moi, je galère. Voilà. Donc, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas te casser. Petit canapé. Je voulais récupérer pour en bas, pour remplacer. Vu que j'ai des mods, je vais pas me prendre la tête. Je vais remplacer complètement. Pourquoi je descends, moi, je suis con. Le truc, le canapé. Et mettre un nouveau canapé. Enfin, mettre un truc de bibliocraft. Ou fourniture plutôt. Ici, c'est de fourniture. Oh là là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ça. Parce que c'est bien quand on n'a pas de mode. Mais quand on a un mode, on peut tout simplement. Merde. Tout simplement faire ça. Hein. Hop. Voilà. C'est mieux. Enfin, on va voir après. Je vais faire des modifs après. Mais en tout cas, autant rendre ça un peu plus intéressant. Ouh! Je me suis assis dessus. C'est pas ce que je voulais. Plus intéressant. En tout, avec mes 40 modes. Pas très beau en fin de compte. Merde. Ouais, comme ça, c'est bon. Et les tables, c'est pareil. Il y a peut-être moyen de les modifier. Attendez. Je vous montre le reste avant. Hein. Voilà. Pour information, je n'ai rien touché quasiment à part le sol. Je vous montre un peu ce que j'ai modifié ici. Voilà. Voilà ce que j'ai modifié. C'est le sol. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Voilà. Sans le. Ah. Sans le machin. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, comme vous voyez, j'ai pas mal modifié de choses et tout ça. C'est sympa et ça fait des. Ça fait. Il y a un peu de tout. J'ai fait quelques modifications sympathiques et tout ça. Et du coup, voilà, c'est sympa quoi. C'est vraiment du peaufinage. Hein. Les plus gros trucs qu'ils ont fait à l'époque, c'était Bilou et Lion quoi. Mais moi, je m'amuse à ajouter ma petite touche personnelle pour le plaisir de la nostalgie et aussi pour voir ce que ça donnera en remake. D'ailleurs, ici, j'ai complètement oublié de faire une modification. Et je vais faire ça après. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que. Non, c'est pas par là. Parce que, en fait, si vous voulez. Voilà. À quoi ça ressemble quand on voit le truc. Oui, bon, c'est pas grave. On voit Wuko qui nous tombait infiniment, mais c'est pas très grave. Très très coquinou qu'il est. Il est très très coquinou. Excusez-le, c'est un Wuko qui nous très très coquinouchet. Est-ce que j'ai fait aussi comme ça? Voilà. C'est ça. On prend rien du tout, on s'en fout. Alors, voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est magnifique. Ah oui. Vous voyez un peu ce que j'ai fait. Ça, par contre, je pourrais éventuellement le photographier dans un angle assez intéressant. J'essaie de trouver un angle intéressant hein, pour la miniature. Je sais pas, je trouve pas où. Ah, ouais, c'est pas mal cet angle-là. Ouais, je sais pas. Ah, j'ai du mal à. Bon, vous voyez un peu ce que j'ai fait. Ça va, c'est des échantillons, hein, ça reste pas là. Hein. C'est juste des échantillons de test. Parce que oui, j'ai plusieurs. J'ai plusieurs. Je vais remettre ma main parce que ça me perturbe. J'ai plusieurs trucs en fait. Donc je vais vous montrer. Je remonte.
Donc en fait, déjà celui-là, je ne l'ai pas mis. Comme vous voyez, c'est un truc qui fait de la multicolore. Et celui-là, c'est des échantillons pour ça, en fait. Et ce que j'ai pas pris, en fait, c'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et je vais aller faire la modif là-bas. Et comme vous voyez, j'ai fait pas mal de modifications. J'ai foutu des arbres du biome, enfin, du truc de forest. Parce que pour information, regardez tout ce que j'ai. C'est ce que j'ai foutu, c'est ça. Hein. Biome planty, c'est ça? Ah, donc c'est pas forest. Voilà, c'est tout simplement là. J'ai accès à beaucoup de choses. À beaucoup de machins. J'ai même Botania. Vous voyez, j'ai un peu. J'ai vraiment de tout. Hein. Là, vous avez tout un. J'ai tellement de choses que je peux pas te dire tout ce qu'il y a. Hein. Pas possible de tout vous répertorier. Il y a énormément de choses. J'ai même des trucs. Des Tropicraft. D'ailleurs, il y a des trucs marrants dans Tropicraft. Regardez, je peux faire carrément même une cabane. C'est vraiment très intéressant. Je vais en faire peut-être une. Ça, j'aime bien. Je vais reprendre pour vous montrer ce que c'est. Enfin, voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. J'ai vraiment de quoi faire. Dans cette. Oui, ça, c'est un truc de Secret Room. Alors, je cherche en fait après. Donc, ça, c'est fourniture. Minecraft fourniture, c'est lui qui me permet d'avoir tous les trucs que je veux pour la déco. J'ai ça. Non, ça, c'est Seria Terminal. Ouais, c'est bien, mais c'est pas ça que je cherche. C'est pour autre chose, ça encore. Divine RPG, non. Il est où Forêt machin, là. Tiken construite, non. Ah, voilà, Twilight Forest, voilà. Et si je veux, j'ai aussi, oula, Twilight Forest, avec bien des trucs sympas, il me semble que, ouais, voilà, y a des fleurs, rose d'épines, des trucs bizarres comme ça, des plantes magiques, des bugs de texture aussi, c'est offert par le jeu, mais c'est pas d'inquiétude, si je prends le truc et je le pose, ça fonctionne, c'est une porte, hein, je peux vous montrer, il n'y a pas de risque, hein. C'est juste l'affichage qui est bugué. Magnifique bug. Voilà. Ça ressemble à ça. Et d'ailleurs, elle est très belle. Tiens, on va l'utiliser. On va l'utiliser à la place de l'autre. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ah, mais il n'y a pas de porte ici. Mais on va remplacer juste des portes ici, en fait, qui sont moches. Ah! Ah non, non, ça fonctionne de base. Ah, c'est peut-être un peu bugué. Bon, ok, on peut pas tout faire avec ça. C'est de la merde. Mais non. Voilà. Oh oui, c'est mieux. Oula, doucement de. J'ai eu un spike. Oula, il y a encore un spike. C'est bizarre, c'est dans l'autre. C'est bizarre. Ah oui, voilà. Voilà. Ouais, c'est bizarre, la porte elle est dans l'autre sens. Je préfère cette porte-là. Tout. Il n'y a plus de porte à mettre. À mettre. C'est ça. À mettre. Non? Oui, je sais, je suis rigolo avec mon. Mais imaginez que c'est une porte. Vous êtes tout bon. Il y a par exemple pas de porte, je pense que c'est voulu, donc on peut en mettre. Il me semble qu'il y avait un autre endroit qui avait une porte, mais voilà, c'est le lieu paumé. Ah non, il n'y a plus de porte. D'accord. Bon, ben. Un ballon qui tombe. Oh bah c'est magnifique. Ouais bon ok je vais récupérer parce que ça fait de la. C'est très moche dans la nature. Donc on va pas peut-être le jeter comme une grognasse. On va le laisser en dehors. Le mec qui sait qui pollue son truc en mousse. Temporairement. Voilà. Aussi. Et comme vous voyez, j'ai ça aussi. Vous avez vu comme c'est beau?
Et du coup, je vais faire un test. Mais non, merde, je peux pas. Faut que j'allonge alors. Je fais un test. Hein. Test quelque chose. Dans la vie, on fait des tests. Merde. Wow. Oh, regarde, c'est un peu bugué, mais c'est simplement quand même. Ouais, ça va. Wow, c'est un peu limite là, mais bon, ça c'est pas moi, c'est Bidou. C'est Truc et Bidou qui ont fait ça. Ou c'était Truc avant plutôt. Et du coup, voilà, mais c'est mieux comme ça, quoi. C'est beaucoup plus classe. Et du coup, comme je suis une fainéant, je peux très bien faire ça, voilà. Hop, je jette tout par terre, on a rien à... Ouais, quoi. Non, c'est parce que j'aime bien le mode, le côté physique, en fait, du truc, et du coup, ça me fait rire de voir le machin tomber. C'est rigolo. Donc voilà, c'était une vidéo pour montrer tout ce que j'ai fait. Donc, c'est des portes fonctionnelles. Hein. Elles ne sont pas cassées. D'ailleurs, je sais pas trop si je ramène dans l'autre sens. Bon, allez, oups. Il y a un petit coup qui nous fait. Voilà. C'était pour vous montrer un peu ce qu'il y avait, quoi. Je pense que j'ai rien d'autre à montrer d'autre. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais me coucher, en fait. Le mec qui se court, tu sais. Voilà. Putain, ça m'énerve que j'ai trouvé aussi trop de. Oui, je suis un gros dégueulasse, je sais. Je vais te dire dans les commentaires, espèce de ou gaspilleur ou pollueur de zone, tout mou. Tu es vraiment tout mou. N'hésitez pas à le dire. Très traumatisant pour moi. Ça va fonctionner. Je vais me transformer en mousse. Si vous pensez tous en même temps, moins 40 à 80 personnes, je vais faire du gaming en étant en mousse tout mou. Ah oui, je voulais faire ça, oui. C'est ce qu'on va terminer de faire. Ah oui, regardez ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ajouté ça aussi. Et on peut s'asseoir. Hein. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Hein. C'est utilisable. Ça qui est bien. Alors, vive les modes, hein, je sais. Alors. J'ai remplacé pas mal de trucs aussi, comme ces bois-là. Parce qu'il a aussi hein, j'ai fait du remplaçage en fait partout. Pourquoi? Parce que ça fait pas vivant en fait le bois d'origine. Et vous voyez, c'est un peu plus contrasté avec ce que j'ai fait. C'est du truffage, mais voilà, ça fonctionne. Hein. Comme vous voyez, ça fait beaucoup plus quali, beaucoup plus propre. J'ai même pas vu de... ah, non. Ça fait un truc assez magnifique. J'ai fait aussi un remplacement un peu plus loin aussi d'eau pour l'effet d'eau que je vous ai montré dans le prochain. Le dernier épisode que j'arrive plus à parler. Le dernier épisode, enfin l'avant-dernier épisode, je vous ai montré comment faire de l'effet d'eau bleue. Et du coup, en prenant en compte que moi j'ai des shaders, mais bon, peu importe, hein, débrouillez-vous. Mettez des shaders. C'est la vie. Je peux pas comprendre si vous vivez sans shaders. Mousse, c'est vous. C'est mon excuse à deux balles. Et du coup, voilà, vous êtes tout mou. C'est très très important de préciser ça. Hein. Merde, n'importe quoi. Oh. Voilà. Donc, j'ai juste besoin. Non. Oui. Voilà. C'est parce que je vais vous montrer ce que j'étais. Donc c'est magnifique. C'est très beau. C'est. Comme vous voyez, j'ai fait pas mal de modifications ici aussi. J'ai refait tout le truc parce que je trouvais ça pas ouf. Et du coup, vous voyez que ça donne un truc beaucoup plus homogène, beaucoup plus... on va dire que ça donne quelque chose un peu plus... beau au niveau des yeux, visuel, coloré et tout ça. Après, peut-être que c'est qu'on n'aimera pas, mais moi, j'aime bien. Et puis, de toute façon, j'ai récupéré tout ça. Donc, c'est un vrai pays à... C'est magnifique, quoi. C'est de toute beauté. Et j'ai mis aussi un truc pour l'imiter. Donc c'est trop beau. Sincèrement, je suis très satisfait de la modification de ce que j'ai fait. J'ai vraiment beaucoup modifié. Et du coup, voilà, c'est un peu... Le truc que vous allez peut-être me dire, ah ouais, tu pourrais me passer la map, mais le problème, c'est qu'il faut des mods. Bah oui.
On pourrait peut-être vérifier sur Shader ce que ça donne, mais ça va être dégueulasse. Hein. Ça va être dégueulasse. Y a rien à faire, j'aime pas les shaders en fait. J'aime pas être sans shaders. Donc, du coup, automatiquement, c'est non quoi. Je peux pas me passer de shaders. Quoi, on peut vivre sans shaders? Comment ça, on peut vivre sans shaders? Non, ça n'existe pas, monsieur. Je ne veux pas vous croire. Non, 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 ça, je ne vois pas la vie sans shaders, moi. C'est hors de question. D'ailleurs, c'est bancal. Donc, ça c'est bien. Là aussi, j'ai mis du bleu. C'est pas mal. Pas grand chose fait ici. J'ai fait quelques petites modifs au niveau du sol. Ça donne quelque chose d'assez sympa. Ça donne, j'ai oublié de modifier les escaliers. Je le ferai plus tard. Je trouve ça beau. Ici aussi, hein, comme j'avais dit. Donc voilà, c'était une petite vidéo. J'aime bien cet effet-là que j'ai fait surtout. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai fait sur le truc de Bilou et de Lion. De Déco à domicile, première saison. Petit spike parce que j'ai été un peu trop loin. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour ce que j'ai aussi pour un bon PC, parce que regardez, j'ai alloué au moins allocate 100%. 12 gigas. Comment vous dire que si vous n'avez pas 12 gigas, vous l'avez dans les fesses pour tous les modes que j'ai mis. Parce qu'il y a, il y a 41 modes. Hein, et c'est pas des petits modes. Comme vous en doutez. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que ça donnait. C'est magnifique et c'est de toute beauté. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être, malgré tout, que j'aime pas. Moi, je déteste ça. Je vais quand même, après terminer, retirer les shaders. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va déjà mettre un truc, c'est que je vais vous montrer. Je vais activer les FPS et vous allez voir, voilà, on est à 30 FPS ici. Donc voilà, 30 FPS constant, 35, etc. Je perds un peu d'FPS quand je filme. Mais voilà, on est à... Voilà, ici on diminue parce que c'est une vieille map, hein, c'est normal. Du coup, voilà, on diminue pas mal. Mais voilà, on est dans les 30, 25 FPS selon 24, etc. Selon les endroits où ça doit charger, etc. Mais voilà, c'est sympa, sans plus. Mais voilà, sans plus quoi. Merde. Attendez, hein. Teste quelque chose. Ah, c'est mieux comme ça, moi je trouve. Ça change un peu la couleur. De toute façon on est là. Ouais, je préfère moi, ça fait un peu plus machin, après c'est mon point de vue. Il y a juste des... Ah oui, c'est ça que je voulais modifier aussi. Ouais, voilà, quand on va un peu trop vite, voilà ce que ça crée. C'est pas très grave, on se remplace. Voilà. Bah, c'est mieux, hein. C'est juste ça qu'il faut modifier éventuellement. Alors, regardez, il y a des petits bugs, de glitch, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est normal. C'est parce qu'il y a, y a pas forcément tout qui s'affiche correctement, mais ça c'est normal dans les modes. Mais tout est fonctionnel théoriquement, donc il n'y a pas de souci. Mousse-moussez-vous, ça ira bien. Oui, maintenant, devant tout le monde. Ça veut rien dire, moussez-vous, c'est de la mousse. Donc en bref, on va vous coiffer. Vous coiffer avec de la mousse. Oui, je sais, c'est bizarre de coiffer quelqu'un avec de la mousse, avec du duvet de chien. C'est carrément ça, les moussez-vous. En vrai, ça veut dire... Normalement, c'est pour le chien, en fait. C'est pour le...
Quand vous coiffez l'animal, quand il perd des poils blancs, là, du duvet, ben c'est ça en fait, mousser l'os et que vous allez quoi, lui retirer ses petits poils pour qu'il. Des poils en trop, la mousse qui faut retirer parce qu'il mue, le petit bout. C'est ça en fait, mousser. Et c'est pas autre chose, hein, on se calme. Ben voilà, regardez, ça donne beaucoup mieux hein, d'un coup. N'est-il pas mieux? Est-ce que ça contraste pas beaucoup mieux comme ça que avant? Moi, je pense qu'on est pas mal. Hein? Bon. Oui, j'ai compris ce que je vais devoir faire, je sais. Je vais pas avoir le choix. C'est vraiment pour vous que je fais ça. Hein. Moussoussez-vous. Alors, on va désactiver les shaders. Aïe, 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 aïe. Je vais atteindre 500 FPS, tu vas voir. Faut un peu attendre, du coup. Parce que ça prend un peu de temps. Ah, c'est long. Et en même temps aussi, je vais essayer de voir ce que ça donne justement sans shaders, parce que c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas de shaders, ne peuvent pas mettre des shaders, donc je me dis, ok, on va vérifier sans shaders ce que ça donne. C'est un peu long, par contre, à chaque fois quand on retire ça, le temps que ça fasse la modification avec tous les trucs. Voilà. Là, je fais Terminate, et du coup, je suis à 200 FPS, mais normalement habituellement je suis plus haut, mais vu que je filme, je suis dans les 200 et quelque chose, mais des fois je peux monter à 400. Donc voilà, c'est pas une blague. Donc comme vous voyez, oui, c'est bien. Ça donne toujours aussi bien. Hein. Mais voilà, là bizarrement elles sont pas allumées, c'est moins bien. On va vérifier, hein, on va voir. Hein. Allez, on va aller là. On va descendre. Ouais, c'est pas bien. Faut faire avec les shaders, moi, personnellement. Y a pas photo. Mais au moins, ça donne bien. Voilà, il y avait un bug d'effet. Au moins, là, on voit que ça donne quand même assez bien. Même sans les shaders, c'est pas mauvais. Voilà, je suis à 400 FPS. Vu que je fous avec autant d'FPS, quoi. Voilà. En plus que si je suis là, je suis encore avec plus d'FPS. Regardez. Je suis à 500 FPS. Ça sert à quoi d'avoir autant d'FPS, vous allez me dire? Ça sert à rien. Disons que c'est pratique quand tu veux filmer et voilà quoi. Mais c'est fade. Mais après pour les. Voilà, vous voyez là, ça fait un peu. Peu moins l'effet escompté quand on est sans ça, mais bon, soit. C'est pas grave. Voilà. Après, c'est quand même toujours plus charmant, je trouve. Hein. Ouais, c'est toujours quand même. Bah, on voit quand même que c'est beaucoup plus terne. C'est moins bien. C'est moche sur les shaders, sincèrement. Moi, j'aime pas. Oui, c'est fluide, mais moi je m'en bats les steaks. Moi ça me va très bien, 40-50 FPS. J'ai un écran qui fait du 60 Hz. Donc, quand on vous dit que ça me sert à rien d'avoir plus. Mais oui, voilà. En fait, ça change pas grand chose au niveau visuel. Comme vous voyez, les trucs qu'on met au fond, ça gêne pas trop. Ça gêne. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble sans les shaders. Ouais. Vous l'avez vu, vous avez été satisfait par ce que ça donne sans les shaders. Je les remets parce que je trouve ça hideux sans les shaders. Sincèrement, c'est horrible. C'est vraiment très moche. Rendez-moi mes shaders. Ou j'appelle les OUFB. Bon, maintenant, il faut de retour un peu attendre. Oui, parce que moi je fais pas de montage, parce que si je fais du montage, ça va compresser encore plus la vidéo, elle va être dégueulasse. Donc je peux pas faire de montage du coup. J'utilise habituellement Kden Live. Mais ça va plus vite qu'Kden. Mais ça c'est sûrement parce que le processeur il est en. Je travaille, je travaille. Et du coup, ça va beaucoup plus vite en vidéo. Ça c'est cool. Mais ce que je peux faire aussi, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pour le plaisir.
Peut-être éventuellement changer de truc, mais attendez. Je vais tester un pack de texture. Bon, je vais être un peu tout juste, mais on peut tester un truc éventuellement. Voilà. Oh, bah, c'est beaucoup mieux, hein. Oh, bah oui. Oh, oui, c'est mieux. Merci. Oh, oh bah oui. Ah, bah oui, hein. Regardez-moi cette beauté. Ah ouais, il n'y a pas de photo. Ouais, bon, je suis à 40 FPS maintenant, certes. 50, etc. Mais bon, je m'en bats les steaks. Je veux dire, ça vaut tellement tout le FPS du monde. Enfin, au moins 40, 60 FPS. Ça vaut tellement parce que c'est tellement beau, c'est tellement non gênant, quoi. Moi, je m'en bats les steaks. Je joue très bien comme ça. Non, mais voilà, quoi. J'en profite, quoi. Merde. De toute façon, c'est connu, c'est toujours comme ça, hein, pour la RTX. Le mec, il a 3000 FPS, et dès qu'il met la RTX, hop, il se retrouve avec 70 FPS. Donc, Minecraft et ou autre shader à 100 FPS et tout ça. Donc, c'est clair, tu perds pas mal d'FPS, mais c'est marrant, c'est le principe d'un échange équivalent. C'est justement de regagner des nouveaux FPS, hein, enfin, d'utiliser ces FPS contre une performance de qualité tout mou. Bon, voilà. C'était une petite vidéo tout mou. Je vais vous faire un truc encore plus taré avant qu'on se quitte. Parce que c'est le plaisir. J'ai ça éventuellement. Mettre ça éventuellement. Ça va pomper pas mal, mais pas grave. Je vais vous mettre ça. Vous allez comprendre pourquoi. C'est Dark Renaissance, quoi. Je vais tout mettre à 20 FP, 25 FPS par contre. Donc je vais pas le garder trop longtemps, ce texture pack là. Parce que en termes de FPS, je vais être vraiment très bas. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez être sûr et certain. Parce que vu que je filme, etc. Et vu que ce pack de texture pompe énormément, apprêtez-vous à 20, 25 FPS. Ça, c'est normal. Hein. C'est un pack de texture qui est vrai. Vous allez comprendre quand vous allez voir. Vous allez faire waouh! C'est assez réaliste comme pack de texture, et du coup, bah oui, je vais être assez bas en termes d'FPS, mais je vais être à 20, 18 FPS, mais je vais pas trop bouger à ce moment-là. On va juste regarder visuel et ce sera suffisant, quoi. Juste voir ce que ça donne. Et du coup, c'est un peu long quand ça charge. Bah, oui. On va pas attendre. Voilà. Ah, je suis quand même à 26 FPS, c'est pas mal. Voilà. Donc il y a pas mal de saccades, c'est normal. Voilà ce que ça donne avec ce pack de textures là. C'est ultra réaliste. Voilà, j'ai des frises. Hein. C'est normal. Regardez comme c'est ultra impressionnant. Ouais, ça saccade pas mal. Hein. Vous voyez? Pas trop le laisser parce que ça saccade pas mal avec ce pack de textures là, je l'avais dit, hein. C'est vraiment un pack de textures mais magnifique. Mais vous voyez un peu ce que ça donne, je vous montre un peu, hein. C'est un pack de textures ultra réaliste. Bon, après les fenêtres, elles ont quand même pas mal changé. Voilà, donc on est à les FPS sont ultra bas, mais c'est pas grave, c'est juste pour voir rapidement, quoi. Voilà, regardez le sol, quoi. Waouh, magnifique. Donc les FPS sont à 15 à mon avis, hein, un truc comme ça. Mais bon, ici, vous voyez juste ce que ça donne. C'est waouh. Donc c'est normal si ça rame. Hein. Normal si ça saccade. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est juste pour vous montrer un peu ce que ça donne comme ça. On va aller vite et rapidement, même avec des FPS de merde. On va... Oh, ils ont modifié ça aussi. On va aller vite. Regardez-moi ça, quoi. Oh, on va aller vite, rapidement, là. Eh oui, j'ai une limite de puissance. Hein. Mon PC n'est pas si puissant que ça à ce niveau-là. Mais regardez-moi ça. Il n'y a pas plus réaliste que ça, on est d'accord. Hein. Regardez-moi ça. Les effets de lumière. Waouh! Impressionnant. Là, je suis à combien? Ouais, 10, 11, 17. Je vous l'avais dit hein, que je serais à des FPS de merde. Hein. C'est normal, c'est un pack de texture ultra réaliste, c'est compréhensible.
montre rapidement ce que ça donne. Voilà, il y a le truc, il y va crescendo. Regardez-moi ça, quoi. Rien que ça. Regardez-moi ça. Même l'eau est un peu modifiée, quoi. Regardez-moi ça. Ah, c'est des dalles au sol qui ont modifié, mais c'est pas. J'aurais pas voulu qu'ils modifient ça théoriquement, mais bon. Ça fait un peu cinématique comme ça, Rama. Regardez-moi ça. Oula. Oh. En même temps, c'est aussi parce que je filme. Regardez-moi ça comme c'est ultra, ultra impressionnant quand même. Je bouge plus pendant quelques instants. Donc voilà, vous voyez que c'est. Waouh! C'est ultra bluffant. J'espère que je bug pas. Regardez les vitrails. Oh, ce pack de texture, je l'aime beaucoup, mais comme vous avez compris, je peux pas le mettre parce que j'ai pas assez de puissance. Donc vous voyez un peu ce que ça donne au niveau beauté de cet endroit magnifique de toute beauté. Regardez ce que ça donne au niveau du machin. Des boutons, mais un truc de taré, mais c'est ouf. On va terminer en montant là-haut. Ah oui, les bibliothèques, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Les bambous, ouais. Voilà. Pour terminer, on termine ici. Voilà. Ah, je vais quitter ici. Je vais se remettre normalement parce que ça rame à mort. Voilà. C'était une petite vidéo de fin pour vous montrer ça. Pour le plaisir de vous montrer ce que ça donne avec FPS sur 20. Parce que là, je suis clairement à 13 FPS. C'est tellement que ce pack de textures est ultra lourd que le PC il se dit merde, j'en peux plus quoi. Je le comprends. Donc vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. On va retirer ce pack de textures parce qu'il pompe énormément. Mais au moins c'est intéressant. Vous avez vu un peu à quoi ça ressemble en réaliste quoi. C'est cool, moi je trouve, comme vidéo pour vous montrer tout ça. C'est vraiment top. Et du coup, voilà, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Presque terminé. Je sais pas si j'ai bugué pendant le temps où ça ramait ou pas. J'en sais rien, mais bon, voilà. Faudrait encore un meilleur PC, hein, du coup. Mais bon, je suis déjà content de ce PC-là. Il est déjà pas mal. Ce qui me permet déjà pas mal de choses. Donc, c'est déjà ça. Comme vous avez compris, je connais la limite de mon PC. Et du coup, on reprend 40 FPS, 35. Ça fait du bien d'être de retour fluide. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc je vous dis, oui, c'est du chargement Spike. Je vous dis à bientôt. Bande de petites trucruffes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était la dernière sur cette map. Enfin, en tout cas, je ne pense pas en faire une autre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à plus, monde de trucs. Ciao!